Je m'appelle Tungisa. J'ai commencé la première formation en décembre 2021 et j'ai enchaîné trois formations, action 1, action 2, option 1. Et à la suite de ça, j'ai directement commencé à investir. Au début, c'était pas terrible. Il fallait le temps de monter en compétences et de faire des petites erreurs. Et puis après 3-4 mois, ça a commencé à donner, ça a marché. Et là, je me dis, mais oh, c'est du sérieux, quoi, ça marche. Les salaires que je vois nos parents faire les petits boulots, se casser les dos, se lever à 5 heures du matin pour gagner au bout du mois un SMIC en une semaine, comme ça, en quelques jours. Enfin, du vendredi au lundi, j'ai ça. Oh, d'accord. Et du coup, j'ai continué. Et puis de fil en aiguille, ça a gonflé. Et j'ai eu de bons résultats. Puis après, j'ai eu la folie des grandeurs. La folie des grandeurs m'a ramené sur terre. Ça m'a permis d'apprendre de ces erreurs et je ne pensais pas qu'on pouvait vraiment apprendre autant des erreurs. Quand j'ai un excès de confiance maintenant, je me rappelle les échecs et ça m'évite des erreurs parce que, par exemple, je n'entre pas et je me dis « Ah, tu te serais fait avoir si tu t'étais laissé prendre par cette pulsion, cette folie des grandeurs, encore une fois. » Donc, je performais bien et en fonction du mindset et des performances, Happy m'a fait confiance pour rejoindre le Mastermind et depuis que je suis dans le Mastermind, ça fait du bien d'être dans un petit groupe encore plus réduit, plus privé, dans lequel on peut parler de nos challenges, échanger nos stratégies. Celui qui veut présenter quelque chose ou qui a un défi, un challenge dans son parcours, dans sa vie, même en dehors de FA, peut venir présenter. J'ai tel projet, je suis en train de faire ça, j'ai besoin de savoir comment je pourrais faire ceci, cela. Et parfois, il se trouve que certains d'entre nous ont les compétences et on peut les conseiller sur ce qu'on aurait fait, comment on pourrait améliorer les choses, comment la personne pourrait travailler. Et puis, la personne libre à elle d'aller mettre en place ses mécanismes. Et plus dans le cadre de FA, on approfondit un petit peu plus ce qu'on voit en cours. Il y a plus de pratiques. Tout un chacun, on est amené à présenter ce qu'on fait, ce qui marche pour nous, ce qui ne marche pas aussi pour nous, parce qu'on ne parle pas que des bons côtés. On ne dit pas toujours que ouais, ça marche, j'ai gagné, j'ai réussi. On parle aussi de non, j'arrive pas là, ça se passe mal pour moi. Et on s'entraide pour mentalement rester fort et ne pas abandonner. Donc voilà un peu mon expérience, mon retour que je peux faire pour l'instant là-dessus. Merci.